Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui. Hey, j'espère que tu passes une belle semaine. Tu as eu une super de ce fin de semaine de congé. Hein? La vacances de pour la construction, que tu fais là. La vacances du travail, la fête du travail. Fantastique. On a eu vraiment une belle fin de semaine. Peut-être lundi, là, le matin, il a plu, mais finalement, on a eu une belle journée. J'en ai profité. C'était super. Écoute, c'est sûr, parce que là, la rentrée, ça a été difficile quand même, là. Toujours une adaptation. On s'habitue vite, hein, au bonheur. Donc, écoute, c'est sûr que là, les enfants sont rentrés à l'école. Jeudi, vendredi. Grosse fin de semaine pour décanter tout ça. Puis là, vraiment, là, c'est commencé, là. Vraiment, là. Le train-train quotidien vient de commencer du mois de septembre. Donc, écoute, j'ai quand même pris le temps cette semaine de vérifier encore pour toi, là, du 5 au 11 septembre 2019, les meilleurs rabais spéciaux qu'on retrouve dans les épiceries qu'on aime tous, le IGA, Maxi, Metro, Provigo et Super C. Donc, commençons tout de suite avec IGA. Donc, chez IGA, cette semaine, écoute, le bœuf haché mi-mec. C'est pas du mec, hein? C'est pas d'extra mec, c'est du mi-mec, mais à 2,69 la livre ou 5,93 le kilo. Ça va être dur de se faire avoir là, avec ce prix-là. Puis c'est sûr que du steak haché, c'est hein, c'est un passe-partout. On peut faire tellement de choses avec du steak haché que ça vaut la peine de regarder où ce qui est dans le spécial. Puis ça coûte cher, hein? C'est au moins le double du prix, ça, normalement, au prix régulier. Aussi, chez IGA, le filet de morue. Le filet de morue, c'est pas un filet de poisson qu'on retrouve à chaque semaine. Parce que, tu sais, le filet de morue, la morue, ça y est, même à un moment donné, ça a été interdit, hein, parce qu'il y en a quasiment plus. On en pêche tellement qu'on est en train de vider les océans. Mais avec la pêche responsable, bon, ben, il y a des moments qu'on peut en pêcher. Donc là, c'est le temps. À 8,99 la livre, ou si tu peux faire 19,82 le kilo pour du vrai bon filet de morue frais là, chez IGA. T'as pas manqué. Aussi, chez IGA, écoute, cette semaine, c'est sûr, les fruits et les légumes du Québec, là, ils sortent, là, il y en a partout, il y en a plein. C'est temps d'en profiter, vraiment, parce qu'elles sont super, sont délicieuses. Hein, c'est vraiment super. Là, les fruits puis les légumes sont vraiment super. Donc, cette semaine, le piment, les piments de toutes les couleurs, rouge, jaune, orange, vert, sont à 99 cents la livre, ainsi que les tomates, là, les tomates Roma, italiennes, de champ. Écoute, sont toutes à 99 cents la livre, donc, ou 2,18 le kilo, si tu préfères, pour toutes ces bon légumes-là, puis le fruit, parce que dans le fond, on sait que on pense tout le temps que la tomate, c'est un légume, mais en fait, c'est un fruit. Mais bon, c'est délicieux, puis ils sont tellement bonnes dans cet insecte qu'il faut vraiment que tu en profites, hein? C'est sûr. Donc, c'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Écoute, Maxi, les patates blanches ou recettes, là, 10 livres pour 1,98. C'est pas cher, là. Parce qu'avec des patates, on peut faire, c'est un accompagnement, il accompagne quasiment tous les repas. On peut manger ça comme ça tout seul aussi. Hein. On peut se faire des bonnes patates frites avec ça. Ou bien, si tu veux, tu les coupes en quartier, avec un petit peu un quart d'huile d'olive, là, à cuisson, bien sûr, avec, tu prends un clubhouse, n'importe quelle épice clubhouse, là, grecque, italienne, écoute, il y en a tellement. Tu prends une grosse cuillerée, là, de ça, la soupe. Tu mets ça dans ta petite tasse où tu as mis un quart d'huile, un peu moins qu'un quart d'huile. Tu fais vraiment, là, tu sais, délayer un peu ton épice. Dans un bol, tu te prends des patates. Puis là, tu mélanges tout ça avec les patates, là, ton huile là, qui était aromatisée d'une épice avec la base. Puis là, écoute, tu es vraiment, toutes tes patates sont toutes huileuses avec toutes les épices dessus. Puis tu mets ça dans le four pendant, là, moi, ça prend 45 minutes en tout, là. À toutes les 20 minutes, j'y retourne de bord, là, jusqu'à ce que ce soit la couleur que j'aime. Puis c'est délicieux. Puis t'as même pas besoin de faire cuire, là, auparavant, là, cru comme ça, puis let's go. Puis ça te fait des patates super. Puis là, ça coûte à rien, parce que 10 livres, là, t'en fais des patates avec 10 livres. Puis ça accompagne n'importe quoi. Ton steak haché, par exemple, ou un steak, c'est sûr, ou des petits poulets, en tout cas, des saucisses, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'écoute, les patates, c'est là qu'elles sont le moins chères cette semaine, c'est chez Maxi. Continuons aussi avec Maxi, la farine. Écoute, la farine, 10 kilos. Ça arrive une fois de temps en temps, la 8,77 comme ça, pour 10 kilos de farine, ça fait pas cher la tarte, ça. Ou la mousse pour les tartes que je fais, là, c'est plus des pâtes à pizza. Fait que, tu sais, ça coûte rien, là. Parce qu'une pâte à pizza, tu vas chez n'importe quelle boulangerie, là, qui tu vas l'acheter gelée, là, tu vas faire une grosse pizza avec ça, mais ça te coûte quand même 3,75 pour une pâte. Là, pour 8,15
77, tu as 10 kilos. T'en fais avec ça, là. Parce que mon affaire de pour 75 que j'achète chez le potier, là, quand j'ai pas le temps de faire ma pâte ou je suis paresseux pour le faire, c'est sûr que c'est à peu près 2,5 tasses là, de farine. Puis, tu penses que deux tasses dans un 10 kilos, je te laisse calculer. Mais une affaire graisseuse, ça vient beaucoup, beaucoup moins cher. Mais il faut le faire. Hein? Comme de voir de quoi, hey, c'est sûr que si on met la pâte, on risque de sauver énormément d'argent. Continuons avec Maxi Toujours. Écoute, ben oui, là, c'est pas de ma faute. Ça faisait 3 semaines qu'il n'en a pas parlé parce qu'il n'avait pas. Mais là, le bacon, la fleur, 500 grammes. Faut pas toucher à ça jamais. À 3,98 pour le 500 grammes. Hein? C'est ça. Je ne dis pas plus parce que c'est du bacon. Mais à ce prix-là, ça donne le goût d'en acheter, c'est sûr. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Continuons avec Métro. Chez Métro, écoute, les oranges cara-cara. C'est des. On dirait des pamplemousses roses. Hein? Sont-tu beaux? Ils ont l'air effrayants, là, c'est la photo. En tout cas, j'en veux, j'en veux. 5 livres de ces belles grosses oranges juteuses là, pour 2,99 et 3 piastres pour 5 livres de belles grosses oranges roses comme ça. Ça a l'air délicieuse. J'ai hâte d'y goûter, mais à ce prix-là, c'est sûr qu'ils vont en acheter. Aussi, chez Métro, cette semaine, il y a vraiment des beaux spéciaux. Je t'en parle quelques-uns, mais va voir sur mon circulaire que j'ai fait en ligne pour toi, où j'ai, tu sais, là, je les mets toutes, là. Tous les vrais rabais, là, sont tous inscrits, là, puis ça vaut vraiment la peine que tu ailles voir ça, parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Le rôti français, il était la semaine passée chez, je crois, chez IGA, là, pas sûr, il me semble que oui. Puis, cette semaine, ben, il est chez Métro, à 2,99, même prix. Ou 6,59 le kilo. Donc, pour un rôti français, écoute, c'est super. Tu te fais des steaks avec ça, tu te fais des kibbes, tu te fais un rôti, tu le laisses un rôti avec tes patates. Des patates pas chères, là, de chez Maxi, avec le rôti français de chez Métro. Puis, hé, monsieur, ils apparaissent pas, mais ça, on vient faire un super souper, là, puis ça n'a pas coûté grand-chose. Hein? Aussi, chez Métro, les huîtres. Parce que tu sais, là, ça, c'est la saison des huîtres arrivée. Ça commence la semaine passée. Avec Super C qui ont fait un beau spécial de 25 unités, une caisse de 25 pour 8,99. Là, tu as des caisses de 12 pour 3,99. C'est encore moins cher, ça veut dire que pour 24, là, ça revient à 8 piastres. C'est encore moins cher que chez Super C la semaine passée. Donc là, vraiment, là, il faut en profiter parce que des huîtres, là, c'est tellement bon pour la santé. Tu revois, j'ai fait un post là, sur le groupe de Papa Popote qui te montre là, tous les bienfaits de la santé. Que ça procure là, de manger des huîtres. Il hein? Faut essayer de passer là, par-dessus notre. Des fois, il y a des gens, des huîtres, c'est gluant. Non, c'est pas gluant du tout. C'est même délicieux. Donc, écoute, essaye ça, puis tu vas m'en donner des nouvelles. C'est chez Métro, le vrai spécial de 8 cette semaine. Aussi, chez Métro, ben écoute, parce que là, c'est la rentrée, je l'ai dit, hein, fait qu'on se fait des loges, il faut penser à tout ça tout le temps. Donc, les charcuteries, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, j'en conviens, mais c'est tellement pratique. Puis, c'est sûr qu'une ou deux fois par semaine, on va se faire des sandwichs. Moi, quand j'étais petit, on en mangeait tous les jours, là. À ce temps, on essaie de ne pas faire ça avec nos enfants, mais veux pas avoir toujours du jambon cuit, hein? Jambon fort noir, jambon ancienne, de la dinde pressée, des affaires comme ça, pour faire des bonnes sandwichs, bien, c'est pratique, c'est vraiment facile. Puis c'est comme assez cher quand même là, de la charcuterie. Puis cette semaine, le jambon paysan, la charcuterie de 500 grammes, là, tout déjà coupé, à 5,99. Et ça vaut le double. Donc, écoute, vraiment, ça vaut la peine à 5,99 dessus, pour le manger un petit peu. Peut-être la dinde, non, ils en font bien ça. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Métro. Continuons tout de suite avec Provigo, chez Provigo, cette semaine, écoute. Les poitrines et les os de poulet, tout désossé, tout, pas d'os, pas de peau, pas rien. Ah, parfait, la 4 piastres de livre. Cette semaine, on dit, c'est pas les 3,99, 2,99, ça va être des 4 piastres, 3 piastres. Donc, chez Provigo, 4 piastres le livre, ou si tu préfères, 8,82 le kilo pour cette poitrine-là qu'on veut tout avoir, c'est sûr. C'est là qu'il est le moins cher cette semaine pour ce qui est des os de poulet, parce que les poitrines, il y en a aussi chez Super C, je t'en reparle tout après. Mais bon, chez Provigo, poitrine et os de poulet, hein, ça dépend ce que tu as le goût de faire. Tu as un suprême de poulet juste du blanc ou un petit peu de brun avec les os de cuisse un peu plus gras puis une autre texture. C'est ton choix, ça dépend ce que tu cuisines, mais les deux protéines sont vraiment super. C'est chez Provigo. Aussi, le bœuf haché extra maigre. Lui, là, extra maigre, là, tu me parles. Là. À 4 piastres la livre ou 8,82 le kilo. Tu vois, le bœuf haché cette semaine, il en a juste une autre place. C'est chez IGA, puis il est à 2,69, mais c'est le mi-maigre.
Hein? Donc, qu'est-ce que tu veux faire, là? 2,2 sur les 9 mi-maigres ou 4 piastres pour l'extra maigre. Donc, ça fait quoi? Une pièce 31 de plus la livre pour de l'extra maigre. Ça peut valoir la peine. Parce que entre le mi-maigre et l'extra maigre, vous savez, 4,30 pour une pièce. Ça dépend vraiment de ton mi-maigre, s'il est trop mi-maigre, puis si ton extra maigre est vraiment extra maigre. Mais honnêtement, là, moi, je préfère l'extra maigre. C'est sûr. Mais pour le prix, c'est pas mal 4,30 pour une pièce que je te dirais au final. Aussi, chez Provigo, ben, le filet d'aigle fin. Écoute, le filet d'aigle fin, c'est un beau petit poisson. C'est pas le poisson que moi je préfère, c'est sûr. Mais quand même, dans le poisson blanc, le filet de sole, l'aigle fin, c'est des poissons que j'aime bien. À 6 piastres la livre, ou si tu préfères 13 et 23 le kilo, ça, là, vraiment, là, en bas de 15 piastres. Déjà, à 19 piastres, 17 piastres, en spécial, à 13 piastres, là, ça vaut vraiment la peine. Tout frais, là, un beau filet d'aigle fin. Super, avec une petite sauce béchamel. Super bon. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons et finalement avec Super C, chez Super C cette semaine. Écoute, le jambon fumé, l'évêque avec l'os. Il n'y a pas l'air de dire, on dirait c'est un demi, là, comme ça, mais marqué avec l'os. Donc, j'imagine. Puis, il n'y a pas de couenne surtout. Ça, c'est intéressant. Parce que souvent, quand on achète un jambon dans la fesse, là, ça vient, tu sais, les grosses couennes, le gros gras, là. Fait qu'on y a beaucoup de pertes, là, tu sais. Puis, ça. Je sais que quand tu es en spécial à 99 cents la livre, bon, tu dis, OK, c'est de la grosse perte, mais pas cher. Mais là, tu as moins de pertes parce qu'ils ont enlevé la couenne. Ils ont laissé l'os pour donner plus, ça donne plus de goût, puis c'est la partie que j'aime, là. L'épaule, j'aime bien, puis cette partie-là aussi, l'en fait, ce que j'aime bien aussi. Est à 2,49 la livre, ou si tu préfères 5,49 le kilo. Si on met de côté qu'ils ont enlevé la couenne, là, ça devient intéressant, là. Le prix est bon. C'est un bon prix. Puis ça, là, ça c'est facile à faire avec lui, là. Tu mets ça dans un gros chaudron. Tu en prends un, là, tu sais connaître tes chaudrons. Là. Tu choisis là, un qui va rentrer dans ton chaudron puis qu'on va pouvoir recouvrir de liquide. Moi, je mets un litre ou deux, tout dépend de la grosseur, mais un litre sûr là, de jus de pomme. Hein? Tu en spécial cette semaine, tu vas voir à 88 cents quelque part, là. Tu en prends un, tu le vides dedans, dans ton chaudron, tu mets ton jambon là-dedans, puis tu compenses, tu remplis avec de l'eau, tout simplement. Jusque par-dessus ton jambon, puis tu le fais cuire là. Tu l'amènes qu'il bouille un petit peu, puis après ça, tu le mets au minimum, là, tu sais, à 2, 3, là, puis tu le laisses. Moi, je le laisse assez longtemps, un bon 2 heures, je te dirais. Mais regarde, tu le paquettes, tout dépendant. Des fois, il va te donner des indications, parce que si tu le fais trop cuire, là, il se défait tout, là, ça n'a pas de bon sens. Tu n'es même plus capable de le sortir du chaton. Fait qu'il ne faut pas venir fou non plus, mais quand même, c'est vraiment facile avec une petite patate. Une petite bonne petite patate pilée avec ça, là. Des carottes, là. T'as tout ça en spécial cette semaine, donc ça te fait des super, super pas cher. Puis en plus, ben, hey, il te reste du jambon. Après, c'est sûr, là, quand tu fais du jambon, c'est jamais juste pour le souper. Donc, il t'en reste, là, pour les fous pour les fins, comme on dit. Puis t'en as pour tes lunchs, puis t'en as pour d'autres soupers. Puis tu peux t'en faire des cubes après ça, puis dans une salade, par exemple. Ou, écoute, je te donnerai pas plus d'idées que ça, parce qu'on n'arrêtera pas d'en dire. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire avec du jambon. Ça vaut la peine d'en avoir. Donc, c'est chez Super C, ce bon petit jambon-là, dans le fesse, qui fait longtemps qu'on n'a pas vu. Aussi, les poitrines de poulet, comme je t'ai dit tantôt, désossées. Il n'y a pas les os, il y a juste les poitrines de poulet désossées à 3,99 la livre, si tu préfères 8,80 le kilo. Ça, une poitrine comme ça, comme je t'ai dit, hein, c'est super la poitrine de poulet là, désossée. Moi, j'en veux tout le temps. Donc, c'est chez Super C qu'il y en a aussi. Aussi, chez Super C, les côtelettes de porc frais. Là, c'est le paquet, écoute, c'est 1,77 la livre, pas cher, ou 3,90 le kilo, hein, en pas de 2 piastres, là, pour des chops de porc. Là, ici, tu as le duo. Donc, tu as les trois bouts de côte puis les trois bouts de surlonge. Donc, c'est des parties différentes. Donc, il y a un peu plus de gras normalement que les. C'est sûr que la coupe du centre, mais ça a un petit goût. Pas parce que le gras, ça donne du goût. Puis quand tu le fais cuire, ça fond, puis ça s'enlève bien. Ça s'enlève super. Le gras, ce qui est le fun avec le porc, c'est que le gras s'enlève super bien, parce qu'il est toujours à l'extérieur du muscle, là. Même dans des bouts de côte comme ça, des fois, on le coupe, puis là, on voit, mais c'est quand même assez facile d'enlever le gras dans ton assiette un coup, parce que tu ne veux pas manger ça. Hein, parce que là, c'est moins bon là, quand tu manges le gras de porc. Par contre, si tu ne manges pas le gras, puis tu manges juste la protéine, ah là, tu obtiens quelque chose de super pour ta santé. Donc, écoute, c'est ça, c'est déjà fini pour la liste de papa papa de cette semaine. Écoute, si tu aimes ça, ma liste, fais un commentaire. Hein? Fais-moi un petit j'aime, partage ça à toutes les gens les personnes responsables, tu sais, c'est les gens là, qu'on suit sur eux autres là, pour faire les commissions, le budget, puis qui s'agrissent pour remplir le frigidaire, puis qu'il soit toujours plein.
Donc, écoute, si on peut les aider, si je peux t'aider, si tu peux les aider, partage ça parce que vraiment, c'est un must de voir la liste de papa popote à chaque semaine. Ça sauve un temps fou. Je le sais parce que tu n'arrêtes pas de me le dire puis de me l'écrire, puis j'en suis bien conscient. Donc, c'est super. Fait que là-dessus, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa popote. Tiens. À bientôt pour une prochaine vidéo de papa popote.